Hello mes soyeux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, nous ça va tranquille. Aujourd'hui nous sommes mercredi, non, on est lundi. On est lundi aujourd'hui, on est en route pour la ville et aujourd'hui c'est une journée assez intéressante, je suis contente, je suis assez excitée parce que j'ai le droit de faire de lui tout ce que je veux. Hein? Comme toujours, comme toute ta vie. Non, c'est pas vrai, pas toujours. Non, mais là, t'es pas prêt, mon pote. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Pourquoi? D'accord? Parce que tu sais très bien pourquoi. Pourquoi? Parce que t'as fait de la merde hier, alors t'as le droit. Alors aujourd'hui, j'ai le droit. Comment ça, de. T'as fait de la merde hier, alors du coup, aujourd'hui, j'ai le droit de lui faire faire tout ce que je veux. Et quand toi, tu fais de la merde, moi, j'ai pas le droit de faire tout ce si que je veux. Et si vous me connaissez maintenant, hein, mes soyez, vous savez que je n'y vais pas de main morte. Toi aussi tu le sais, non? Non mais, genre moi quand toi tu fais de la merde, ouais. Moi, je te demande pas de faire tout ce que je veux. Si, la prochaine fois si je fais de la merde, ben, j'en fais jamais en même temps. Donc, Alors vas-y, disons que la dernière fois t'avais déjà fait de la merde. Non, je me rappelle pas. Donc c'est quand que tu fais quelque chose? Bah dans ce cas là, la prochaine vidéo, mettez-nous un like si vous le souhaitez, mais la prochaine vidéo c'est moi qui ferai tout ce que toi tu veux. D'accord. Hein? T'accepteras tout ce que je souhaite. C'est-à-dire? Ce que tu souhaites. Ah t'as vu, toi aussi tu peux. Non mais ouais, je fais tout ce que tu veux, je m'en voilà, fous. C'est des non, gages quoi. Moi j'ai pas. Non, j'ai pas de gage à te demander. Bah, c'est ça le but. D'accord. Pourquoi toi tu pensais à quoi? C'est bon. J'ai trouvé un gage. C'est quoi? Bah tu verras. D'accord. On vient d'arriver en ville et là j'aimerais qu'il chante une chanson de Noël à tue-tête. Non. Pas grand. Mais tu me chantes une chanson de Noël, Christophe? Mais vraiment? Mais... Attends, mais ça, et tout, je vais me taper la mais route. Ça c'est le tout premier truc, c'est rien ça. Encore genre il y a pire. Tu chantes une chanson. Hein? Genre il y a pire. Il y a 100 fois pire. Il y a quoi pire? Tu verras. Bah non, attends. Là tu me chantes une chanson de Noël à tue-tête. Mais tout fort hein. Non, pas tout fort. Mais... Je me pose là, je chante. Non, mais pas là voilà. Comme si tu mendiais, comme si je te. Une chanson de Noël tout fort, allez vas-y. Allez. Je connais même pas de chanson de Noël. Petit papa Noël, allez. Eh, franchement non. Oh, mais t'es sérieux? Romain, tu te rends compte? Là-bas, il y a la ville, viens. On l'a fait en marchant. Non, mais tout fort. Tout fort. Non, non, pas que tout ça. Fort. Petit. Que non. Ça... Non. Bah. Je chante comme je parle d'habitude, c'est déjà très bien. Bah, tu vois, ça y est, moi je suis pas. Non, rejoins, c'est pas la peine si tu me fais ça, Romain. Mais pourquoi tu montes sur une estrade? Je sais pas le moyen de te montrer. C'est très timide. Il est monté sur les escaliers, j'aurais à faire un show. Allez, vas-y. Attention, vas-y. Franchement, tu me fais ça? Allez, Romain, franchement, on va pas y passer la nuit. Et tu sais que tu vas ramasser comme oui, ça. Oui, d'accord, allez, vas-y. Petit papa Noël. Plus fort. Quand tu descendras du ciel avec des jouets parmi. Plus fort. Et s'il y en a un qui me donne une pièce, je te défends. Je n'oublie pas. Plus fort. Mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Une pièce. Dehors, tu vas avoir si froid. Ça y est, ça suffit. C'est un peu à cause de moi. Ça y est, tu allez, parles. C'est bon. Alors. Non mais ça te fait en plus dégager non, tout non, le non. que tu as. Non, pas t'as du tout. T'as vu ta phobie elle est passée là. Si ça non, pas du tout. C'était le premier gage. Je recommencerai pas. Hein. Franchement, je suis fière de toi pour celui-là. Ah ouais. Franchement, t'as été fort. J'ai le droit à un cadeau. Les gens ils ont kiffé, ils t'ont même donné une pièce. Ouais. Tellement t'avais une belle voix. C'est trop bien. Bon, là on marche un petit peu. Et je réfléchis en même temps au prochain gage que je vais lui lancer, mais c'est trop bien. J'en ai un là, ça va être le clou du spectacle. Ouais. Mais en attendant, j'aimerais bien que tu ailles à la pharmacie qui est juste là en face et que tu leur demandes des conseils parce que t'as des gaz. Non, mais non, Mina. Pourquoi? Ah, mais non. Attends, mais c'est rien ça. Écoutez, j'ai des gaz, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour. Mais non, Mina, ça, on fait ça, je fais pas. Que les gens ils croient que je me fous de leur gueule. Franchement, non, ça c'est pas marrant. Ça c'est pas marrant. J'en ai une autre. Tu sais que c'est que la deuxième là, t'en as fait qu'une seule. Hein. Allez, j'aimerais que tu fasses un selfie avec une des personnes qui a un appareil photo. Devant toi là. Tu leur dis, ça vous dit qu'on prenne une photo ensemble avec leur appareil? Regarde là, elle prend en photo. Va sur sa photo. Bon, je pense que je vais faire que 3 challenges parce que Romain est super épra timide. Franchement, je pensais pas que t'étais à ce point. Avant, t'étais pas comme ça. Mais si, quand je suis dans un endroit que je connais, avec des gens que je connais, je suis très à l'aise. Mais quand je suis dans la rue comme ça, avec plein de monde autour, je suis pas du tout à l'aise.
Mais comment ça se fait, avant t'étais normal? Regarde, hein, lui là, dis-lui, prenez-moi en photo. Bonjour monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger en pleine promenade. Est-ce que je pourrais prendre un selfie avec vous? Avec plaisir, avec grand plaisir. Je vous ai reconnu. Non, non. C'est vous? C'est moi. Mais oui. Oh, quelle aubaine. Mais c'est pas vrai. Mais vous? Mais c'est vous, Romain. Oui. Mais c'est pas vrai. Mais je suis fan. Mais c'est pas vrai, Romain. Oh purée, comme je suis fan, je me prosterne. Bon, ça, on fait le selfie. Vous savez qui c'est? Vous savez pas qui c'est? Venez madame, venez faire un selfie avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Mettez-vous au milieu madame. Je vais pas passer bon, c'est un beau cadeau. Écoutez, je vais pas vous aider quel cadeau, mais... Pas gâté, magnifique cadeau, super top. Merci beaucoup. Attends, je vais y aller aussi. Je suis désolée. C'est gratuit, on enverra l'autre. Non. Faut pas dire, on n'en dira pas. Faut pas dire. Mais il est là, incognito. Comme moi. Parce que moi, je suis aussi une star du football, mais de la billetterie. C'est vrai. Et c'est comme qui a fait la Coupe du Monde, c'est en 70 au Mexico. La billetterie, c'est une star aussi, quand même. Hey, l'ancienne capitaine de l'équipe de France de football à Mexico en 72. C'est elle. Mais incognito. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, mais franchement, lui, c'était un sacré phénomène, hein. Ouais. Mais ça ferait de ouf, il t'a reconnu, le mec. Hein? Ouais, bah c'est petit. Même moi, j'étais timide en filmant. Bon, prochain challenge, t'es prêt ou pas? Ouais. Je vais t'écouter. Hein? Alors, tu vas devoir me demander en mariage comme pour la première fois. Alors, t'es prêt? T'es prêt à me demander en mariage dans tout le monde là? Parce qu'il y a beaucoup de monde là. T'es prêt ou pas? D'abord, tu me fais un petit discours quand même. Non, je fais pas de discours. Non, mais juste à moi, genre tu parles doucement, à moi. Mmh. T'aimes toute ma vie, t'es la femme, t'es ma femme de ma vie, mon cœur, ma reine, mon tout, mon roi. Tu vois, un truc comme ça. Je vous pose juste là. J'ai peur, mais moi je suis excitée. Lucie, on donne la main à Juliette. Allez, la main, tu donnes la main à Juliette, s'il te plaît. Donne la main. Elle a dit oui. On va se marier. Attends, on va se marier. Attends. Oui, c'est nous, on va se marier. Attends. Allez, ciao. Attends, c'était un truc de fou là, ce qui s'est passé ou pas? Pourquoi? Tout le monde a applaudi. T'as fait quoi? Tout le monde s'est arrêté, tout le monde a applaudi, tout le monde nous a regardé. J'espère trop que ce sera en caméra et que vous avez vu ça, mais c'est un truc de ouf, j'en ai eu genre. Ah, parce que je le refais pas. Tu sais que j'ai cru là au moment là. Je te jure, c'était trop beau. Je veux que tu le refasses. Non. Non, mais pour de vrai. Comment sans que tu m'y attendes. Une deuxième demande. Mais non, ça mariage. C'est dans 50 ans ça. Non, bah, on a le droit de se remarier. Non. Tu sais, les gens ils se remarient. Mais non. Romain il me disait, il y a personne qui nous regarde et moi je les voyais devant moi tous en train d'applaudir. Je sais pas si vous les verrez en caméra. J'espère que vous les avez tous vus applaudir, mais c'était trop bizarre. J'étais toute rouge, limite je pleurais. Ah ouais. Et lui il m'a dit dans l'oreille, tu m'as dit quoi? Si tu me le perds. Hein. C'était trop bien. Si vous voulez voir une vidéo où c'est lui qui me donne des gages, likez un maximum de likes à cette vidéo. Mais franchement, ce moment-là, il était épique. Oh là là, c'était vraiment bien. Là, on se promène un petit peu. Mais tu peux me prendre en photo, s'il te plaît, pour mon Insta? Dis-moi où, à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, t'es pas content. Là, regarde, c'est joli. Mais c'est des murs. Bah, il y avait plein de beaux monuments là-bas, t'as pas voulu. Si, là-bas, il y avait des trucs, t'allais trop vite. Mais c'est pas grave, là, il y a personne. On va faire des vidéos. Est-ce que vous aussi c'est votre mari, c'est qui vous prend en photo? Dites-moi en commentaire qui est-ce qui vous prend en photo. Et est-ce que c'est dur de prendre des photos pour Instagram? Parce que lui là, hein? Non mais c'est toi, regarde, y a, on était en ville, il y a des beaux monuments, il y a des belles choses, tu veux pas t'arrêter. Et maintenant tu veux prendre une photo là devant un mur rose. Je comprends pas, avec des volets bleus. Non mais j'avais trop d'émotions avec la demande en mariage et tout, moi. C'est ça, ouais.
J'arrivais, je voulais pas, je pouvais, c'était pas le moment de prendre des photos là, j'ai bien envie de prendre des photos, tu vois. C'est joli ça. Non. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Instagram, mon Insta sera juste là. N'oubliez pas, venez tout de suite me rejoindre. Mais en tout cas, c'était trop marrant. Franchement, j'ai trop kiffé. Bah, au moins, t'as réussi tes 3 challenges. Mais t'as pas kiffé du tout. Hein? Mais non, mais c'est pas que je kiffe. Je peux pas dire que je kiffe pas. C'est marrant, mais c'est juste que je me sens pas bien du tout. Franchement, les filles et les garçons qui regardent, c'était le vlog le plus marrant de toute ma life. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé avoir ce pouvoir-là de tout te demander. Franchement, bébé, j'ai trop kiffé. Oh là. Hey, on se retrouve à la maison, ça se voit ou pas? Ça se voit, je crois. Il est très tard, il est bientôt minuit. Je suis décalquée, on a mangé. Je me suis occupée d'Iliès, ben, tout le tralala de la maman. On a bien mangé, c'était bien bon. Et voilà, on est posé sur le canapé depuis tout à l'heure. Je bosse sur des vidéos. Romain est dans la cuisine en train de manger encore. Je sais pas ce que tu manges. Tu manges quoi, bébé? Je crois qu'il mange des Twix. Des biscuits aux Twix. Et je voulais quand même venir vous faire un petit coucou, plutôt clôturer ce vlog d'aujourd'hui. J'espère vraiment, vraiment qu'il vous aura plu. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Franchement, j'ai trop rigolé. C'était vraiment trop bien. Si vous voulez la partie 2, c'est-à-dire la partie où Romain me met, moi, au défi, likez un maximum de likes à cette vidéo. Dites-le nous en commentaire. Voilà, n'oubliez pas de partager avec vos amis, votre famille, tout le monde. À venir me rejoindre sur Instagram, je mettrai mon Insta juste là. J'adore Instagram, je partage tous les jours des bouts de ma life avec vous, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Voilà, prenez bien bien soin de vous, c'est très important, tout le monde, je vous aime fort fort fort. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Love you so so much, bye bye.